Salam à tous les amis, bienvenue sur French PL. J'ai l'impression que cette huitième place de première ligue, c'était la goutte de trop pour Ineos. Ils ne veulent plus revivre une saison pareille et s'activent énormément sur le mercato pour donner à Ten Hag le meilleur effectif possible pour rejouer le titre rapidement. On a déjà longuement parlé des pistes de United dans cette vidéo là, les amis. On a fait des petites analyses et des comparaisons statistiques, notamment sur le profil de Zirxi ou Garté ou de Lyrt. Donc surtout si vous ne l'avez pas vu, foncez les amis. Aujourd'hui, on va un peu plus parler effectif et pour cela, j'ai fait appel au frérot Mehdi de l'Académie MUFC. On va discuter ensemble et se demander si ce mercato qui se profile va être suffisant pour remettre les mancuniens au top de la PL. Allez, les amis, je vous laisse liker pour donner de la force, c'est gratuit et ça réjouit. Et pour tous les fans de United qui découvrent la chaîne, abonnez-vous, ça fait très très plaisir et je pense que vous allez kiffer le contenu 100% PL. Nous, on est parti, let's go On se retrouve, les amis, du coup, avec Mehdi, le frérot de l'Académie MUFC. Franchement, bienvenue à toi sur la chaîne. J'espère que tu vas bien, frérot. Bah, euh, merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir euh, de, de se retrouver un peu sur des, sur des vidéos des autres. On cherche beaucoup à emmener des gens sur nos vidéos à nous et on. Pense pas forcément à s'inviter sur celle des autres, mais Grubby l'a fait. <laughs> ça, non, franchement, vous avez vous avez bien fait. J'ai tweeté que j'allais faire une vidéo mercato sur, sur Manchester et c'est vrai que vous êtes apparu et vous avez été demandeur et franchement totalement totalement parce que j'aime bien justement avoir ce délire en fait où on a la vie d'un expert du club parce que moi tu vois je suis expert de Chelsea et je sais que les gens c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment avoir mon avis parce que mon avis il est détaillé et tout. Donc, c'est ce qu'on va avoir avec vous, avec toi en tout cas. Donc ça, c'est hyper cool. Je vous invite, les amis, tous ceux qui sont sur cette vidéo, vous allez donner de la force à l'académie MUFC, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Euh, le contenu, en fait, il se démarque des autres. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est un format un peu podcast, des vidéos un peu longues. Ça débat, ça avance des arguments. Ça connaît vraiment les tenants, les aboutissants de United. Donc, pour les pros... United, déjà, c'est un must. Et pour ceux qui, euh, qui kiffent le format, voilà, avoir une petite vidéo en fond, euh, des gens qui discutent et qui disent des choses pertinentes, clairement, c'est la chaîne. Et puis, même si vous n'avez pas regardé les vidéos, allez au moins à, à, à vous abonner. Ça donne toujours de la force. Et, et c'est important d'avoir les abonnés qui montent. Ça donne aussi un peu de, de visibilité sur, euh, sur YouTube. Euh, nous, on va commencer cette vidéo où je vais en fait être un, un, un journaliste. Je vais me déguiser en journaliste et je vais te poser des questions parce que tu as un avis, du coup, euh, poussé euh, sur United. Je vais, par contre, ceux qui me connaissent sur la chaîne, évidemment, je, je, je donne mon avis. <laughs> Moi, je ne suis pas quelqu'un qui juste pose des questions et derrière ne rebondit pas, ça, ce n'est pas possible. Donc, je vais poser des questions, après, je vais rebondir. Comme ça, vous aurez l'avis d'un pro United et d'un œil un peu extérieur, d'un mec qui se dit pro-PL. On va voir si je suis, euh, si je suis pertinent. <laughs> En tout cas, les amis, merci pour ceux qui ont liké euh, d'ores et déjà et ceux qui n'ont pas fait, c'est gratuit, les amis, et ça fait plaisir. Donc, ce mercato d'United, on va un peu voir comment comment il se il se trame finalement au niveau des arrivées et des départs, et ça va nous amener sur une question de fin. Est-ce que ce mercato est suffisant pour amener United au top Parce que finalement, c'est un peu ce que veulent savoir les, les fans de United. Bien sûr. <laughs> C'est clair, c'est United, c'est quand même, on va se dire, le plus grand club anglais historiquement. Donc là, la huitième place, je pense que, je pense qu'elle a fait mal. Je pense qu'elle a fait mal. Donc on va balancer le visuel que vous voyez à l'écran. Donc avec l'effectif de United, avec des recrues potentiels. Hein. Donc je parle vraiment hypothétiquement. On peut voir notamment trois arrivées potentielles qui, pour moi, je, je douterais. Enfin, ça me surprendrait vraiment que ces trois joueurs-là, euh, Zirkzi, Ugarte et De ne finissent pas United cet été. C'est vraiment des pistes concrètes. Est-ce que tu as le même avis que moi sur ça ou tu es un peu plus… Euh... Bah, en fait, euh, on, on, on est sur du… Enfin, Ougarté, c'est peut-être un peu moins abouti. Alors, Zirzi, c'est fait. Le Yerugo est tombé carrément, machin. Ouais. Euh, de que ça a l'air très avancé, même si euh, on a l'air de faire un peu de l'œil à Euro. On est à l'affût. Branswate, il faut qu'Everton euh, baisse un peu leur prix. Ça va dépendre aussi des, des départs parce que… Idéalement, on aimerait bien en avoir deux, des défenseurs. C'est ça. Mais à première vue, s'il n'y a pas trop de, de mouvements, euh, il va ressembler à ça, le, le, le Mercato, il va ressembler à De lire ou Carte et, et Zirxi. On est, on est assez d'accord et sur une des vidéos qu'on avait fait, c'est ce qu'on avait dit. D'après euh... bah, ce que dit euh, Romano dans ses podcasts et tout, euh, l'accent il est d'abord mis sur Ziagzi qui donc c'est fait, de lire ensuite et Ougarté pour moi d'après ce qu'il dit c'est aussi concret mais c'est juste que c'est chaque chose en son temps en gros quand de lire sera fait ils iront sur Ougarté mais pour moi enfin j'estime que en fait c'est totalement pertinent mais on verra quand on, ira... quand on arrivera sur la ligne du milieu de terrain on va déjà commencer à parler euh, de la défense j'ai mis donc vous avez le, 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 la légende de, de l'image avec donc les joueurs titulaires remplaçants les joueurs qui sont incertains euh, qui pourraient être prolongés ou non ou vendus selon les joueurs quand je vois Martinez de Lirt moi je trouve que c'est pertinent en tout cas c'est complémentaire sur le papier euh, par rapport aux qualités qu'a de Lirt qui complètent bien celles de, de Martinez euh, après je balance là une image de stat euh, du coup euh, à l'écran euh, toi tu la verras pas mais en gros la stat c'est que sur la saison de Lirt, il est moins performant en tacle, interception, en dégagement de la tête et en duel aérien gagné que Maguire. Maguire, et moi, c'est ça que j'aime bien dans votre fanbase, c'est que les avis sont très très clivants. Vous n'avez pas tous le même avis sur Evans, vous n'avez pas tous le même avis sur Maguire, sur Rashford, sur vraiment, il y a des avis qui sont très très clivants. Maguire, déjà deux questions. Est-ce que Maguire, toi, il te satisfait Est-ce que c'est un joueur que tu aimerais garder potentiellement dans la rotation Je trouve qu'il est assez fort pour ça. Et deuxième question. De Lirt, est-ce que tu trouves qu'il est justement côté, sous côté ou sur côté euh, Moi, du coup, Maguire, c'est un joueur que j'aimerais quand même bien voir partir. C'est un joueur qui nous donne pas assez de garantie, en fait, par rapport à son prix, par rapport au statut qu'il va avoir. Enfin, je, je, pense que c'est un risque de le garder. Après, euh, Maguire, ça reste mieux que De Love, ça reste mieux que, euh, que Evans. Enfin, voilà, au niveau du joueur, bien évidemment. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un des seuls joueurs qui a une petite valeur et euh, sur lesquels on va toucher un, un billet. Je ne vois pas trop l'intérêt de vendre Lindelof 10 millions et garder Maguire, sachant qu'entre son salaire et le prix que tu vas en tirer, tu vas peut-être gagner 50 millions sur l'année, tu vois. Donc, euh, il ne me dérange pas plus que ça dans l'effectif, même si c'est le genre de joueur, moi, avec, quel, avec lesquels j'aimerais arrêter aussi, tu vois, les joueurs qui t'en donnent un petit peu. Ils t'en donne assez pour que tu aies envie de les garder, mais pas assez pour que tu puisses performer avec eux, tu vois. Et euh, c'est des poids, ça, dans notre effectif, je trouve. Et du coup, tu as Delirte qui est dans le même profil à peu près. Et euh, toi, qu'est-ce que tu penses de De Delirt Delirte, moi, ma, ma principale peur, c'est sur les blessures, parce que le Bayern, il s'en sépare principalement à cause de ça. Quand il joue, il est, il est, il est, il est performant. Euh, les supporters du Bayern ne s'en plaignent pas. On en a parlé un peu avec eux. On leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Ils disent qu'ils sont dégoûtés qu'ils partent. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que, en fait, ça montre que la nouvelle direction est un peu intelligente. On va chercher des joueurs à moindre coût, mais qui ont un potentiel de joueurs d'équipe première. Tu vois. Si ça marche, il va améliorer grandement notre effectif. Et, euh, enfin, il connaît en plus Ten Hag et tout ça. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et, J'aime bien que le club réfléchisse un peu aux joueurs qu'ils vont chercher, et là c'est ce qui a été fait et je trouve ça bien. Bon, même si Ternaghi il réfléchit pas, il va chercher ses anciens joueurs. Tout. Oui, c'est ça, mais je suis d'accord que en tout cas le même au niveau du profil de l'âge, je trouve que c'est l'âge parfait, pas trop jeune, pas trop vieux. Euh, il, il va rentrer dans son prime potentiellement, donc euh, si ça marche, c'est vraiment euh, positif. Personnellement, je trouve un peu surcoté. Je trouve un peu ouais. surcoté. Je trouve qu'il a il a un statut parce qu'il a quand même fait donc gros transfert à la Juve à la Juve, il n'a pas forcément performé, il arrive au Bayern, moi je trouve qu'au Bayern, j'ai des réserves sur son niveau au Bayern, euh, et par contre, mais je, je trouve quand même que c'est pertinent pour United de le prendre, à ce prix-là en tout cas, euh, c'est vrai que 50 millions d'euros, pour de l'IRT, ça reste pas déconnant, quoi. après il ne faut pas non plus vrai. donner le salaire de, euh, de CR7, mais euh, en tout cas, ça, ça reste pertinent. Et euh, dernièrement, pour finir sur la défense centrale, Euro, même si, bon, on connaît, il y a une offre du coup d'United qui a été acceptée par Lille. Je pense que ça reste très peu probable euh, étant donné que vraiment le joueur attend le Real. Et quand tu as un joueur aussi jeune qui veut autant le Real, tu peux te dire que le mec, il est prêt à attendre. Quoi. Je veux dire, même s'il n'est pas pris cet été, euh, le Real est prêt à le prendre libre l'année d'après, etc. Donc, ça, reste, ça resterait pour moi une, un retournement de situation. Si, euh, de lire, enfin, si Euro se dit finalement, bon allez, c'est pas grave, je vais à United, je vais à la Première Ligue et je, et je vais dire au revoir à mon rêve du Real alors qu'il est encore très très jeune. Tu vois. Je veux dire, pour lui, les possibilités sont encore... Plus. Les portes sont encore très ouvertes. Surtout qu'on ne peut pas le balancer à 18 ans titulaire en première ligue. Euh, oui. Il serait là pour faire le nombre, il serait là en remplaçant, dans la rotation. Et en soi, enfin, entre être dans la rotation à Manchester United pour on ne sait pas combien de temps et être dans la rotation dans le club de ses rêves l'année prochaine, il va choisir d'aller dans la rotation du club de ses rêves l'année prochaine. Je vois pas oui. l'intérêt. Après, tous les insiders de Manchester disent qu'il y a une chance. Hein. C'est euh, ouais, pas fermé, mais pour ça. moi, c'est... Ça reste improbable à l'heure où on est. Et si potentiellement euh, ça ne se fait pas avec Yoro, est-ce que toi tu es satisfait de la défense telle qu'elle est là Potentiellement, as fait, ça fait six joueurs là. Est-ce que c'est un truc que tu te dis, bon, ok, let's go, euh, on y va, il y a moyen de performer En soi, euh, oui, on va dire oui et je serai un peu plus euh, complet quand on parlera de est-ce que c'est un, un mercato qui nous fait revenir au top Je, je, je serai un peu plus complet là-dessus. Au niveau des latéraux, ça va pas trop bouger, euh, je pense. malassa est invendable parce qu'il bah, ne joue pas. chaud euh, apparemment aussi, c'est compliqué de vendre un, un, un look chaud aujourd'hui. Euh, Dallo, qui je pense, va rester. wan bisaka qui s'il a des offres, je pense, ne sera pas retenu. Maintenant, j'ai vu... Donc potentiellement, si Wan-Bissaka Will... si est vendu, il y aura un latéral droit, je pense, qui va être recruté derrière. Mais j'ai vu une, une rumeur qui vient d'une source fiable et qui, moi, m'a surpris potentiellement. Donc on va parler de ça avant de passer au milieu de terrain. C'est Ben Chilwell. Ben Chi wake a été lié à Manchester United. Potentiellement, ça veut dire que tu aurais trois latéraux gauchers dans l'effectif. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire comme achat Est-ce que tu penses que le joueur est une bonne cible euh, Alors, il y a... Trois joueurs, si on considère, parce qu'il y a une vieille blague là dans la, dans la fanbase de Manchester, c'est que Malassia n'est plus en vie. <laughs> on a vu des photos, on a vu des photos de saison, il est là. <laughs> il a l'air d'être en vie, mais Grini pense que c'est une IA. <laughs> mais voilà, euh, ça fait un an et demi qu'on ne l'a pas vu, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le voir, comment est-ce qu'on va le voir. Donc, euh, Malassia, on a tendance à plus trop compter dessus. Euh, Shaw, il se blesse énormément. Et Fabrizio Romano dans la saison disait que on était sûr de vouloir recruter un, un latéral gauche il s'est calmé un peu là dessus le truc c'est qu'on a un petit jeune aussi qui on, on est pas mal à, à vouloir qui, 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 qui monte après je suis un peu un extrémiste à ce niveau là mais moi j'aimerais beaucoup qu'on lui donne sa chance au petit Henri euh, Amas, c'est un, un petit de l'académie qui je trouve est un des plus prêts à monter. Mais le problème, c'est que même si on le fait monter et qu'on le met dans la rotation, on n'est pas sûr qu'on ne va pas attendre de lui qu'il soit titulaire. Enfin, si Malassa est toujours blessé pendant un an et que, ouais, et que Shaw est encore blessé pendant euh, six mois sur neuf, bah, euh, le garçon il va être tout seul à gauche pendant toute la saison. Quoi. Donc, donc potentiellement, euh, l'achat d'un joueur prêt euh, confirmé, ça pourrait être une bonne idée. Chilwell, tu t'en penses quoi du joueur? Bah, moi, je, je trouve qu'il a, euh, qu a été très bon quand il est arrivé à Chelsea. Si c'est pour aller rechercher un autre gars dont on ne sait pas s'il ne va pas être tout le temps blessé, je veux dire, si tu as de lire. Enfin, on a fait une saison où, nos, où nos, nos, nos recrues elles ont été blessées, on a vu la catastrophe que c'est. Il va peut-être falloir commencer à mettre la variable fiabilité physique dans, dans les joueurs qu'on achète. J'ai euh, rien contre le joueur que je trouve très bon, mais euh, s'il n'est pas fiable physiquement, euh, ça va être dur. Je suis d'accord, et euh, on a vu aussi des petites rumeurs comme quoi euh, ça pourrait repenser à Reguilon, euh, en prêt ou en achat, bon à voir, euh, mais ouais, il y aurait peut-être, probablement même, des besoins au niveau, euh, au poste de latéral gauche. On va passer au milieu de terrain, et il y a pas mal de choses à dire, alors, autant sur les 8, donc euh, Meynou, McTominay, Eriksen, Bruno, Mount, bon, t'as le matos, en plus t'as des profils qui sont différents, T'as des joueurs qui sont vraiment box-to-box, t'as box, des joueurs un peu plus euh, manière de ballon, t'as des, voilà, des créateurs, t'as un McTominay qui est plus dans l'impact. Je trouve que t'as de tout, ça c'est vraiment pas mal. Par contre, au poste de numéro 6, donc ce mec qui va protéger ta défense, on sait que Casemiro euh, l'a très bien fait la première année où il est arrivé à United. Il l'a moins bien fait en deuxième saison, puisque bah, physiquement aussi, c'était compliqué. Euh, et puis voilà, il est plus dans son prime, hein, Casemiro, on ne va pas se mentir. Euh, donc aujourd'hui, Casemiro est là. Il est, en, il est incertain parce que l'Arabie Saoudite se positionnerait dessus. Donc potentiellement, s'il y a une offre, moi, je pense que ne va pas du tout le retenir. Et il ne faut pas le retenir, hein, vu son salaire et, et l'apport qu'il va avoir potentiellement sur le futur. Tu as un joueur euh, qui arrive, qui pourrait arriver comme Ugarte. Je trouve que la piste, moi en tout cas, j'en ai parlé dans, dans une vidéo précédemment, je trouve la piste excellente parce que le potentiel milieu de terrain, le potentiel trio titulaire, Ougarté, Meinou, Bruno, pour moi c'est totalement compatible. T'as euh, le, le magicien dans le dernier tiers avec euh, Bruno, t'as le box to box qui va faire le lien entre, les, entre la défense et l'attaque en, en la personne de Meinou, et on, franchement on le voit, il le fait très bien. Et il te faut ce mec qui va protéger la défense, qui va couvrir de, du terrain, qui va justement couvrir les montées aussi de Meinou et tout. Donc il te faut un mec qui court partout. J'ai vu des fans du de United qui disent ouais, mais avec le ballon, c'est pas, moi je pense qu'il faut pas se laisser avoir, euh, c'est pas parce qu'un joueur ne satisfait pas avec ballon sous Lucien Riquet, qu'il n'est pas bon avec ballon. Il y, a, il y a deux choses différentes, il y a une exigence par rapport à ça pour Lucien Riquet. Moi, je trouve que Ougarté, c'est vraiment satisfaisant. Enfin, c'est correct avec ballon et un des meilleurs sans ballon, je trouve. Euh, en tout cas, dans les U23, U25, on va dire. Euh, donc, moi, je valide la piste. Autour de 50 millions d'euros, apparemment, je la valide encore plus. Je trouve que c'est pas surpayé parce que potentiellement, tu peux avoir un joueur qui. Ça fonctionne en PL, je pense. Ça fonctionne en PL. Mmh. Donc, ça, c'est mon avis. Euh, par rapport à toi, Ougarté, comment tu juges la piste? Euh, je crois que je ne suis pas dans les, dans, dans les majoritaires en, dans la fanbase, même si en général il y a un peu de, de. Voilà, les gens sont un peu réfractaires au début et puis après ils commencent à se détendre. Ougarté, euh, moi j'étais tout de suite pour. Euh, le, la seule réserve que j'ai, c'est sur le prix parce que je ne suis pas sûr que Paris va vouloir perdre 20 millions sur un joueur qu'ils ont acheté. Euh, je crois qu'ils l'ont acheté 60, 65, 60, 60. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de perdre 10 millions sur un joueur, même 10 millions. Alors qu'ils l'ont acheté il y a un an, qu'il n'a pas été nul. Enfin voilà, il est en perte de vitesse avec Riquet, mais au début, je crois que ça n'avait pas trop mal commencé. Euh... Après, il a voulu jouer différemment, etc. Donc, euh... je ne suis pas sûr qu'on puisse l'avoir à 50. À 50, pour moi, il faut y aller, par contre. Tu vois, si on est sur ce prix-là, à 50, il faut y aller. Je suis assez d'accord avec toi qu'il ne faut pas se formaliser sur oui, mais avec le ballon, etc. Si tu as deux mecs qui jouent bien au foot à côté. Euh, deux mecs qui joue au foot derrière, parce que De lire qui s'est relancé et Lissandro Martinez, c'est même sa qualité non. principale, il non. est quand même bien entouré. Donc, si, si euh, c'est le seul qui est un peu plus limité, ça va. Et puis, euh, là où moi, euh, dans, 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 dans le milieu, j'ai un peu plus de. de... où j'ai des attentes, c'est plus sur les départs et j'espère que Mac partira, parce que euh, je trouve bien. que c'est un joueur sur lequel on compte beaucoup trop, qui euh, est. Vraiment très mauvais avec le ballon et pas si bon que ça à la récupération. Cette saison, il nous a rendu service parce qu'il marquait des buts, mais on cherche pas un neuf, enfin on en cherche un, mais pas lui. Euh, on a besoin d'un milieu de terrain. Et, et si pour euh, un but qui va marquer, on en prend cinq parce qu'il a rendu des ballons, je vois pas l'intérêt en fait. Donc, euh... Potentiellement, il a pris le rôle de... de Mason Mount, que devait avoir Mason Mount euh, cette saison. C'est ça. Blessé. Donc il a bien dépanné à ce niveau-là. Moi personnellement, je trouve que c'est le genre de joueur qui est important dans un effectif, surtout qu'il est formé au club, il aime le badge et tout. Donc en effet, je le vends pas si l'offre n'est pas vraiment satisfaisante quoi. Sinon, c'est pas un joueur que où... j'irai pas jusqu'à m'en débarrasser, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais euh, je pense qu'ensuite dans une saison où tu vas jouer donc potentiellement avec la Coupe d'Europe, 70 euh, 75 matchs, euh, avoir un Mac tominé qui est sur physiquement et tout dans l'effectif, un mec qui va pas forcément se plaindre d'être sur le banc. Potentiellement, tu vois, c'est un mec qui peut, qui peut être utile. Si tu cherches à le vendre 30 millions, par exemple, ils ont à 30 millions, je pense qu'à 30 millions, tu trouves preneur. Tu trouves un joueur comme ça dans d'autres divisions en France ou quoi, qui vont être tout aussi moyens et tout aussi fiables, tu vois. Donc, euh, je vois pas l'intérêt de le garder euh, euh, à ce niveau. Enfin, je trouve que il, on compte trop sur lui pour pas grand-chose. Enfin, ouais, je suis pas. En, en fait, on a une culture de la loose qui s'est installée et il y a des joueurs qui l'incarnent un peu trop. Et euh, McTominay, McGuire, d'autres mecs qu'on verra après, euh, en font partie. Après, si on veut être réaliste, il ne partira pas. Hein. Je ne pense pas qu'il partira. Je pense okay. que ton, ton, ton visuel sur le milieu ouais, est, à... est exact. Ouais, hein. On va passer à l'attaque maintenant. Et, euh, ben, il ne va pas y avoir du mouvement. Il y en a déjà eu, avec du coup l'arrivée de, de Zergzy. Pareil, je n'en ai pas dans, dans une vidéo précédente. Je trouve que la rotation est excellente. Euh, Oilund. Cet attaquant un peu de surface euh, qui va parfaitement être complété par Zerxi qui est plus technique, aime plus décrocher, aime plus toucher des ballons, participer au jeu, etc. Je trouve que tu as deux profils. En plus, les statuts sont pas forcément... Bon, mais c'est relou, tu coûté 70 millions d'euros. Tu as deux jeunes joueurs qui se développent. Il n'y a pas de statut, forcément, un qui est supérieur à l'autre. Je pense que le meilleur va jouer. Ça donnera aussi la possibilité à Ten Hag de s'adapter euh, match après match. C'est-à-dire que selon le profil dont tu as besoin le plus, bah, tu fais jouer le mec. Donc, je trouve que c'est une flexibilité vraiment, vraiment idéale pour Ten Hag, autant en termes de potentiel à développer que de profil. Euh, je trouve qu'on a beaucoup comparé Hoylund à Jackson de Chelsea l'année dernière. Mm -hmm. Cette saison, la vraie comparaison, c'est avec Zirzi. Zirzi, c'est Jackson. C'est vraiment les deux mêmes joueurs. Bon avec ballon, qui aime dribbler, euh, rapide, prend les espaces, met des croches et tout. Ça va vraiment être une comparaison très intéressante à faire avec, euh, avec Jackson et Zergzy pour le coup. Euh, qui est plus un attaquant de surface, qui aime être au contact des défenseurs centraux, les bousculer et tout, etc. Donc euh, moi j'aime beaucoup la rotation. C'est quoi ton avis sur ça Moi j'ai. Alors Zergzy, je... euh, on a pu le regarder aussi en live. on, on... Des fois on regarde un peu des, des, compo... des, 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 des highlights de joueurs et tout ça, on l'a regardé. Le garçon, c'est Ronaldinho en vidéo, donc euh, ça a l'air intéressant. <laughs> non, mais enfin voilà, je veux dire, au niveau technique et tout ça, c'est super intéressant. Et je crache pas sur un joueur qui vient et qui a un peu de ballon, et surtout quand euh, on connaît les aspirations du coach, même si on les a pas trop vues encore. Mais euh, <laughs> quand on connaît ses aspirations, on sait qu'avoir un joueur qui sait jouer au foot, c'est quand même un plus. Mais euh, moi, là où j'ai des doutes, c'est plus sur. Justement, tu parlais du fait d'avoir deux profils en attaque. Bah, quand tu veux développer une identité de jeu, euh, c'est peut-être un peu... Enfin, tu, vas, tu vas construire ton équipe, par exemple, pour jouer avec un mec qui est dans, qui, qui, qui est dans la surface, et lui, après, il va jouer autrement, sachant qu'on n'a pas des mecs super maniables. Enfin, tu vois, on l'a vu cette saison, il manque Lissandro Martinez, on ne s'est plus relancé. Donc, c'est euh, à dire qu'il va falloir qu'il s'adapte en fonction de quelle attaquant c'est, etc. Je pense que la marche est deux <laughs> écoles C'est deux écoles. Soit tu préfères, en effet, avoir deux profils différents pour pouvoir t'adapter, soit tu préfères avoir les mêmes joueurs pour pouvoir développer ta philosophie et justement jamais avoir besoin de, de, de bricoler. Et de pouvoir ça. Autre chose. Donc c'est deux écoles différentes. Bon, on est sur, dans chacune des écoles. Évidemment, en commentaire, ça c'est hyper intéressant. Dites-nous en commentaire euh, euh, quelle école vous préférez. Euh, mais voilà, je pense qu'en tout cas, la présirzie à 40 millions, 42, 43, là. C'est une bonne idée. C'est vraiment, vraiment une grosse opportunité, bonne idée. Hein, on crache pas dessus, mais c'est vrai qu'en fonction de l'effectif qu'on a et des habilités qu'ils ont, je suis pas sûr qu'ils soient capables de s'adapter, même si moi je, je trouverais super intéressant de pouvoir euh, s'adapter en fonction de ce qu'on veut faire, des blessures, des joueurs, etc. Ben, je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité de le faire. Je ce qui est bien avec Xerxes, tu verras, c'est que il peut aussi jouer avec Eulund. Et c'est ça qui va être bien aussi. C'est que tu pas... Il est tellement polyvalent, il a cette polyvalence offensive, il peut jouer à plusieurs postes. Et euh, je serais pas surpris aussi qu'on voit par un moment Xerxes jouer avec Eulund, ouais. euh, selon ouais. les disponibilités. Et on va finir sur les ailes, du coup, euh, où moi j'ai mis du Garnacho à gauche avec du Rashford en, en, en backup. Et à droite, j'ai mis un titulaire en la personne de Diallo. Parce que je pense que Anthony étant ton titulaire, euh, c'est pas sérieux. Quand on a vu la saison du United, quand on voit United depuis deux ans, euh, je pense que c'est pas sérieux de, de se dire qu'on va démarrer la saison avec Anthony titulaire. Et Pellistri, qui a fait une Copa America, à ma foi euh, assez intéressante, qui arrive à un âge où tu peux te dire bah en fait euh, maintenant soit on t'intègre dans l'équipe, soit on te vend. Elle a 22 ans donc c'est pareil pour Diallo. Diallo et Pellistri, c'est deux joueurs là. Tu dis oh voilà bah c'est soit on vous intègre complètement concrètement. Soit, euh, qu'est-ce qu'on fait avec vous? Donc, euh, moi, j'ai mis ça comme ça, oui. mais euh, potentiellement, moi, je serais pour une recrue à droite. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de, 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 du paysage au niveau des ailiers? Et si tu devais prendre un joueur sur les ailes, dis-moi qui ce serait. Moi, au niveau des joueurs qu'on a, Pellistri, le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a un, un jour où le, le coach lui a fait confiance. Donc, euh, ça n'a pas l'air de fonctionner entre lui et Tenag. Et euh, est un... de de dessus, ouais. ouais, je pense plutôt après. Faut voir ce qui ce qui en fonction de la présaison et tout ça. On a vu à, à certains moments des bribes de quelque chose. Le mec, quand il a le ballon, il peut te montrer quelque chose de différent des autres. Tu vois, vraiment, tu dis, ben, bah, tu peux aller à un niveau au-dessus, mais il n'a jamais réussi à être consistant, tu vois, à, à, à gagner une place de titulaire. Euh, Diallo, c'est un peu pareil à, en moindre mesure, mais l'année dernière, il a été disponible six mois parce qu'il était une bonne blessure au début d'année et euh, pendant les six mois alors que Anthony était nul alors on avait beaucoup de joueurs qui étaient euh, qui étaient blessés et eh ben il jouait pas euh, donc euh, Tenay il a l'air d'avoir un problème avec les deux là et euh, c'est pour ça que moi je pense plutôt que Garnacho sera à droite même si euh, après ça laisse bah du coup G euh, Rashford à gauche et qu'on est beaucoup à penser je dis on, parce que moi aussi, il faudrait me ouais. le vendre. Euh, mais a priori, je pense que ce sera plutôt ça ce sera Rashford à gauche et Garnacho à droite. En tout cas, j'espère, ne serait-ce que parce que Garnacho, je le trouve beaucoup plus intéressant à droite. et a moins okay. ce truc de poulet sans tête, d'aller courir tout droit, de penser qu'au but, il va être joué un petit peu plus intelligemment. Quand il était à droite, c'était beaucoup plus intéressant. Dans les stats, il a, été, il a fait très bonne saison. Dans le jeu, à certains moments, on a vu des limites, surtout quand il joue à gauche. Euh, après, ouais, il a déjà hein. hein. 19 ouais, voilà. ans. 19 ans, il a pas bonne marge de progression. Enfin, ouais. Voilà, ouais. Il se développe encore. Donc, je pense que lui, pour le coup, c'est lanti Hamad euh, et l'anti-Pellistri. Le coach compte à 300% sur lui et il, il, veut le, ouais. voilà, il veut le mettre. Surtout qu'il y a une petite entente, Meidou, Oiloun, Garnacho, qui est en train de se, de se construire depuis la saison dernière, qui est assez intéressante. Donc, voilà, au niveau des recrues, si, si je devais recruter un joueur euh, en ailier. Nico Williams, <laughs> du coup. <laughs> uh, 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 réaliste, un peu réaliste, Un sur. Bah, Il a 50, tu vois, il a une close à 50. Après, bon, je pense pas qu'il voudra venir chez nous parce que tu as, as d'autres gros clubs qui sont dessus. Euh, des gens, ouais, ouais. Voilà, après, tu as peut-être euh, des joueurs du côté de, du Real avec l'arrivée d'Embappé. Euh, si tu as envie de mettre un gros billet, peut-être qu'un petit Rodrigo, ça peut se faire. Enfin, voilà. Je... Toujours dans le réalisme, hein, toujours. <laughs> mais voilà, après, en fait, on était tellement sûrs qu'au lycée viendrait au début de saison. On était quand même assez contents de, de choper au lycée. En plus, ça, ça, elle était à quoi À 60 millions, je crois, sa clause Ouais, ça. le prix enfin, est raisonnable. Hein. Ouais, voilà, C'était euh, quand même ça, le non. bon plan euh, au lycée. Bon, ça ne ça s'est pas, pas fait, mais maintenant, on est obligé d'aller sur des trucs un peu plus. Euh... Risqué, tu vois, des joueurs qui sont un peu en perte de vitesse. La euh... taxe Manchester United, elle est déjà violente. Si en plus de ça, tu vas sur des, des, des clubs de première ligue, c'est encore pire. Enfin, tu vois, euh... Neto, peut-être que si le Bayern, ils y vont, ça va être 30. Et nous, si on y va, ça va être 70, tu vois. Mais en tout cas, je pense qu'il y, y, y a un truc à faire sur, euh, sur ce mercato au niveau des ailes. Je pense au moins qu'il y a un truc à faire, donc avoir idéal ce serait oui, de oui, vendre oui. Anthony, hein, mais je pense que c'est Anthony, ah, c'est comme Moudbriq, c'est des joueurs qui ont été achetés chers qui sont ah, tellement oui. nuls qu'ils sont invendables. quoi. Donc c'est dommage. Ça. Bah, écoute, on va on va clôturer cette vidéo très sympathique avec du coup la question hein, par rapport à tout ce mercato qu'on a qu'on a, qu a, qu a <laughs> élaboré dans cette vidéo. Est-ce que on dit que Deliart, Ugarte et Zarky c'est fait On se dit que c'est fait et que potentiellement. Euh, selon les besoins, il y aurait un latéral gauche et/ou un ailier qui serait rajouté à ça. Quand tu vois le paysage de la première ligue, donc c'est fort, c'est fort. Aujourd'hui, tu as un top 3 qui se dégage, qui est performant, même s'il si slot, c'est un nouveau cycle, mais l'effectif il est bien, bien présent. Et dans les idées, normalement, slot, ça va être la même chose que, 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 que Klopp euh, Tu as euh, Chelsea qui progresse, mine de rien, qui a fait 12e, là on fait 6e, qui a un coach prometteur. Euh, T'as Tottenham qui recrute intelligemment, qui a un effectif. West Ham, Brighton aussi là sur le mercato, ils font des choses pas mal, vraiment vraiment intéressantes. Mmh. Newcastle. Est-ce que tu penses que cet effectif là, c'est quoi C'est top 4 C'est podium C'est le, le titre Est-ce que tu penses que c'est suffisant pour retrouver les sommets ou que c'est une bonne première brique, mais que potentiellement l'année prochaine il faudra encore faire euh, faire mieux moi, de toute façon, on est dans un nouveau projet avec euh, une direction qui a changé, avec des mecs qui arrivent, euh, un ancien de chez vous, avec Vivelle qui vient d'arriver chez nous. Euh, voilà, donc on a, on, on a un truc où euh, je pense qu'on n'a pas le plein potentiel de tout ce qu'on peut faire sur le mercato, on n'a pas le plein tout potentiel des joueurs parce que les infrastructures sont encore très vieilles. Euh, on ne va pas avoir un Manchester United métamorphosé, je pense que. On va encore avoir une majorité de joueurs qui vont flop, une majorité de joueurs qui vont sous-performer cette saison. Euh, même si on super-performe, c'est un peu contre le jeu. Comme il y a deux ans, tu vois, où on fait une très belle saison. On a des bonnes phases, mais n'empêche qu'on n'a presque contrôlé aucun match de bout en bout, tu vois. On a su être bon dans nos temps forts et bien gérer nos temps faibles. C'est une très bonne qualité. Hein. Je veux dire, dans le Real, ils sont beaucoup là-dessus, par exemple, tu vois. Ce n'est pas, pas une équipe qui va tuer l'adversaire pendant 90 minutes. Mais n'empêche que... Ce n'est pas une équipe qui est dominante non plus. Il y a deux ans, et c'est tout à fait normal, hein, le, le coach venait d'arriver. Euh, et je pense qu'on va encore avoir ça. Au meilleur des cas, on accroche un top 4 parce qu'il n'y a personne qui est au niveau. Je veux dire, Liverpool, ça prend peut-être un peu de temps. Euh, vous, euh, ça fait plus sixième et cinquième ou peut-être huitième. Ou, enfin, tu vois, je veux dire, on ne sait pas où vous en êtes vraiment. Euh, Tottenham... Euh, même si moi j'ai tendance à dire que ça va prendre parce que je trouve leur coach excellent, leur recrutement aussi okay. très, très pertinent. Euh, C'est une équipe qui me fait un peu flipper pour le top 4, même 5, tu vois. Euh, donc euh, j'ai beaucoup de mal à nous voir dans le top 4 avec ce recrutement, mais n'empêche que euh, si tu as Rashford qui nous fait une saison à 30 buts, euh, Zirgzi qui devient une révélation comme pas possible, mais nous qui continue sur sa lancée, on a le droit En tout cas.. Quand on est supporter Manchester United, et j'imagine que c'est pareil pour Chelsea, tu t'as pas le droit d'arriver et dire, bon, bah, bah, nous, on vise le top 6, tu vois. Tu es ouais, moins non, obligé est de clair. te dire, bah, on va viser le top 4. Si sur un malentendu, il y en a un ou deux qui se cassent la gueule, et ça arrive toutes les saisons. Hein. Il y a des déceptions tous les ans. Une année, c'était Liverpool. Après, c'était vous. Après, enfin, voilà, je veux dire, il y en a plein qui sont pas au rendez-vous. Des fois, c'est nous aussi. Enfin, voilà. Souvent, c'est nous. <laughs> mais, euh, enfin, voilà. En tout cas, on est obligé de se dire qu'on va être top 4. Mais en même temps, ce serait pas une erreur impardonnable d'être 5 ou 6e. Refaire okay. 8e avec le même jeu que cette saison, par contre. Euh... Ouais, là, bah, je pense que ce serait, ce serait fatal pour Ten Hag. Je pense, deux ans d'affilée avec ce jeu-là, ce serait, ce serait bizarre. Ouais. Mais euh, OK, donc on est sur un mercato qui, toi, pense, va vous permettre de faire mieux. Mais pas forcément. Euh, on n'est pas encore, on, on prétend pas encore au podium, d'après toi. Non, puis, nous, ça va être plutôt sur, sur le jeu, je pense. On va, enfin, en tout cas moi, je vais plus juger Tenak sur qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place dans le jeu. Est-ce qu'il réussit à, à, à mettre ses idées en place Est-ce qu'on est qu réussit à avoir euh, du mieux Est-ce que nos joueurs performent un petit peu Parce qu'on en a un peu marre d'acheter des joueurs et de se rendre compte que c'est des nuls. Au, au final, on se dit que c'est peut-être pas eux les nuls, tu vois. Enfin, euh, et je veux qu'on ait l'impression de progresser, tu vois. Aller arracher comme cette saison une FA Cup alors que as été dégueulasse toute la saison, je vois pas l'intérêt en fait, tu vois. Je préférerais qu'on ait fini euh, euh, sixième au lieu de huitième et qu'on ait fait une saison blanche avec un peu de jeu, avec quelque chose qui se détache, des joueurs qui se révèlent, etc. Plutôt que la saison qu'on a vue, où plein de fois ah, on a la, gagné. La Cup, c'est clairement un arbre qui cache la ah, forêt. Voilà, bon. Donc je pense que Ten Hag aura une très très grosse pression cette saison pour amener un minimum de, de contenu dans les matchs. Ah, bien sûr. En tout je cas, Mehdi, merci beaucoup pour euh, ta participation à cette vidéo. Je pense que. On a balayé vraiment plein, plein de sujets. Et au début juillet, là, on a vraiment plein, plein d'éléments euh, qui vont évoluer du coup au fil du mercato. Ça va être hyper intéressant. Donc, euh, les amis, abonnez-vous sur l'académie MUFC si vous voulez encore plus de contenu euh, de, de, de ce type. French PL, on est là. On va aussi pas mal parler du Big Six de toute façon tout l'été. Donc, euh, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui ont liké, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Mehdi, on se dit à je, bientôt. Je peux juste dire un petit truc sur notre chaîne, vite fait Yes, balance. Euh, sur, cette, sur cet été, on va faire un tour d'Angleterre. On va essayer d'emmener un maximum des supporters des clubs de tous les clubs de, de Premier League et euh, on va vous faire une vidéo un peu complète. Ça fera un petit guide sur euh, chacune des équipes, euh, même si on n'arrive pas à trouver euh, euh, un supporter de je dis une connerie, de Ipswich. Eh ben, on essaiera, nous, de se renseigner, de demander à des gens qui connaissent, etc., de venir nous faire un petit peu le truc. Donc voilà, on va essayer de vous faire... Enfin, on va faire une vidéo par, par équipe et ça fera un petit guide pour la saison. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous connaissez des supporters ou si vous êtes supporter d'une équipe qui n'a pas trop de fans, eh n'hésitez ben, pas à nous envoyer un, un DM sur Twitter ou un commentaire pour nous dire que vous êtes prêt à passer et, et, et parler de votre club. Eh ben, c'est une super idée et, euh, et en effet, c'est important d'avoir du, du contenu comme ça sur YouTube, des choses qui sont un peu un peu variées. Si j'avais si le temps, j'essaierais de, de, de faire ça, mais c'est vrai que je me focus plus sur le Big Six. Mais en tout cas, très très bonne initiative et on suivra ça de près, on partagera sur les réseaux avec grand, grand plaisir. Merci. À vous. très bientôt sur FrenchPil, les amis. Encore merci Mehdi. Ciao ciao. Merci à toi. Ciao.